Allez, je me fais couler un petit café. Le temps a l'air d'être clément. Pourquoi pas? Ça me ferait le plus grand bien. Un bon petit road trip moto. Le ciel est beau. Allons-y, go! C'est certain, sous ce ciel radieux de ce vendredi 17 novembre, l'invitation au voyage est trop forte. Entre le doux murmure du vent à venir et les rayons chauds de ce soleil, je ne peux que m'écouter. J'enfile toutes mes protections. Enfin, me voilà prêt. Cette petite escapade imprévue me redonne enfin le sourire. J'ai décidé de relier Vitré, Fougères et Concours, une partie donc de ces fameuses marches de Bretagne. Cette route, je la ferai en solo. Je serai le seul rigolo du guidon pour aujourd'hui. J'adore ce temps, un plein soleil, une température avoisinant les 10 degrés, les sensations sont déjà là. C'est déjà pour moi un excellent signe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les marches de Bretagne, à l'époque médiévale notamment, une zone frontalière séparant le duché breton, alors indépendant jusqu'au XVe siècle, et le royaume de France. C'est donc des châteaux sur toute une ligne, quoi. Et c'est une partie que je vais voir aujourd'hui. À peine parti, je m'arrête. Effectivement, la caméra 360 est mal orientée, ce qui va encore créer des bugs au montage. Pas de chance. C'est bon, je m'engage sur la sortie pour Vitré. Maintenant, place aux petites routes de Bretonne. La route entre Rennes et Vitré s'étend sur une campagne verdoyante, offrant des vues dégagées sur les champs et les villages. La route est bien entretenue, et ça c'est la garantie d'une conduite confortable, avec des virages doux, ponctués de petits et jolis panoramas. Voilà, j'arrive sur Vitré. C'est une jolie petite ville au patrimoine préservé. Elle offre aux visiteurs une immersion captivante dans l'histoire et la culture bretonne, tout en gardant son caractère authentique.
cœur historique regorge de bâtiments préservés, témoin apparemment d'un riche passé commercial. Si vous passez dans le coin, je vous invite sincèrement à vous arrêter et à visiter. Incontestablement, Vitré ne manque pas d'atouts avec son architecture médiévale. Si j'avais eu une opportunité professionnelle, je m'y serais installé volontiers. Dominée par son impressionnant château, la cité offre un voyage dans le temps avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages, et sa place animée. Le château, datant du XIe siècle, se dresse en majesté, offrant une vue panoramique sur la ville et ses environs. À voir, vraiment. Demi-tour, je viens de m'apercevoir que j'allais reprendre la 4 voies, chose qui est vraiment pas intéressante. Donc retour vers le centre de Vitré et je repasse justement derrière le château. À voir. Le beau temps est toujours au rendez-vous et ça c'est sensationnel. Je m'autorise donc avec ces belles lignes droites quelques dépassements. Faut pas croire que le motard est pressé, notamment en balade. Et pour diverses raisons, c'est plus sûr d'être devant que derrière. En effet, quand on est au cul des voitures, on subit toutes les turbulences du vent. On est sur nos gardes au moins de changements de vitesse et de ralentissements intempestifs, voire brutal. Et en moto, un freinage violent est toujours synonyme de chute. Donc pour toutes ces raisons, qui sont valables, je préfère être devant, largement. La route vers Fougères est bordée d'arbres qui créent des tunnels, ce qui projette des jeux d'ombre et de lumière sur le bitume. Globalement, je n'ai pas à me plaindre d'ailleurs. Ce vendredi, il y a peu de trafic. Et ça, c'est superbe. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup de chance avec cette magnifique journée. En effet, la route est presque pour moi seule. Ma RT semble filer paisiblement et j'entends l'harmonie de son moteur me murmurer des doux filets de gaz. Quel poète je fais! Thank you.
j'arrive sur Fougère, en vue de son impressionnante forteresse. Il est considéré comme le plus imposant des châteaux français, avec ses 2,5 hectares, je crois, de superficie. Même titre que Vitré, Fougères est une très belle ville. Mais je file maintenant vers Combourg, berceau du romantisme. Le ciel commence à se voiler. Dommage, je vais finir peut-être la balade sous la pluie. Au XIe siècle, Combourg prend de l'importance avec la construction de son château féodal. Berceau de la famille de Châteaubriand, dans ce cadre que l'écrivain a passé une partie de son enfance. Son œuvre majeure, bien sûr, les Mémoires d'Outre-Tombe. Situé sur une colline, le château et les vieilles pierres dominent toute la cité. C'est là que s'arrête mon périple pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait un petit peu voyager. Et on se revoit très bientôt, sans doute. À plus tard.